Gilles de la Bourdonnais, para-tennis de table, du club de Nantes Tennis de Table. J'ai 48 ans cette année et je candidate pour les Jeux Paralympiques de Tokyo. C'est vrai que moi j'ai fait mes premiers Jeux en 92, donc ça remonte à un paquet d'années. J'étais tout jeune en 92, hein, je tiens à rassurer tout le monde. Mais en fait, moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à jouer, à m'entraîner, à faire des compètes. Donc c'est pour ça que j'ai repris. Et puis on a des objectifs qui sont quand même sympas avec Mathéo. Pour moi particulièrement, c'est d'essayer d'avoir une médaille par équipe. Dans la région nantaise et dans les Pays de la Loire, il est hyper connu. Dans le mouvement d'e-sport, il est très connu aussi par toutes ses médailles et tous les jeux qu'il a fait. Donc ouais, c'est cool de pouvoir s'entraîner avec lui et de pouvoir partager ça avec lui, quoi. Physiquement, je suis super bien. Je pense que j'ai jamais été aussi bien physiquement. Son poids fort, je pense que c'est... En gros, on ne sait pas où il va jouer. Il fixe tout le temps l'adversaire, on appelle ça. Et donc des fois, il va jouer une fois dans notre revers, une fois au milieu, une fois dans le coup droit. Et on le voit au dernier moment. Et donc en fait, on a un petit temps de retard qui fait que c'est trop tard. Soit on loupe la balle, soit on lui donne une balle facile. Et donc du coup, on est directement en difficulté. Donc moi, c'est plus ça qui m'embête quand je le joue. Au Japon, le tennis de table va être incroyable, comme si elle était en Chine en 2008. Et puis les Jeux Paralympiques, c'est ce qui se fait mieux, voilà, dans tout. C'est ce qui se fait mieux au niveau tennis de table. C'est-à-dire que la salle, elle est magnifique. Souvent, on joue très bien, donc le niveau, il est incroyable. Et c'est ça aussi qui donne envie de s'entraîner comme des fous pendant 4 ans pour aller aux Jeux. Ouais.